Alors ici on est au centre SNCF de Saintes, donc qui accueille tous les enfants dont un des deux parents est à la SNCF. On a différentes classes d'âge, c'est-à-dire qu'on va avoir différents groupes d'enfants. Donc ça peut aller des tout petits aux plus grands, donc jusqu'à 21 ans, parce qu'on essaye vraiment de se créer un lien et de partager des choses tous ensemble. Alors un service volontaire international, c'est un projet humanitaire qui va se faire dans un autre pays, dans un pays dans le monde. Et c'est un projet où l'on va venir en aide à la population pour les aider dans leurs besoins. Alors on va partir du 10 au 24 août. Et on va partir au petit village de Diarer, donc qui est un village excentré par rapport à la capitale. C'est un projet de 15 jours. Alors nous sommes 8 jeunes à partir, plus 2 animateurs. Dans ces 8 jeunes, ça va de 14 ans jusqu'à 19 ans. Dans ce projet, nous allons construire 2 toilettes dans une église pour un village, et nous allons aussi faire des cours de renforcement d'anglais, français et maths aux villageois et aux jeunes enfants, ainsi que des activités sportives. Et nous allons aussi aider les parents à travailler dans leur champ. En fait, avant le club, j'avais l'impression que c'était vraiment difficile de partir à l'étranger, et quand je l'ai découvert, je me suis dit bah, en fait, ça a l'air pas si compliqué, et donc j'ai tout de suite voulu m'engager. Et puis après, quand j'ai vu les actions qu'il y avait là-bas, qu'on pouvait faire pendant dans les autres pays, et partager surtout des moments avec la population, et se rendre compte que en France on a beaucoup de chance, et surtout que de se rendre compte aussi des différentes cultures, des différentes choses à voir, je me suis dit tout de suite faut le faire, parce que si je le fais pas, je le ferai jamais, et c'est maintenant en tant qu'ado que j'ai le temps de le faire et qu'il faut que je fonce. Alors pour moi, être engagé signifie surtout d'être motivé à vouloir faire un projet de cette ampleur là et de vouloir le faire jusqu'au bout et de le vivre à fond et ne pas s'arrêter juste au début, et de pouvoir profiter et de vivre quelque chose de magique avec le monde. Être engagé, je trouve ça compliqué comme mot, puisque ça peut signifier beaucoup de choses, puisque pour moi, c'est mener un projet, mais surtout mener un projet pas forcément à l'étranger, hein, ça peut être sur place, mais dans le but de découvrir, de s'ouvrir et de vraiment voir une version différente de la nôtre. Et surtout, si je peux m'appuyer sur mon expérience, se rendre compte de la chance qu'on a. Et ensuite de partager justement cette expérience aux différentes personnes de notre entourage, et de leur donner goût à cet engagement. Mais vraiment, c'est cette idée de partage et de découverte, et de se rendre compte que voilà, il y a différents modes de vie, et qu'en France on a beaucoup de chance. S'engager, c'est compliqué, et de se dire je vais m'engager, parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas se dire demain je vais partir à tel endroit et je vais essayer de faire quelque chose. Non, ça demande beaucoup de préparation, ça demande aussi d'être aidé, ça demande aussi d'être un groupe. Tout seul, c'est encore plus compliqué. Alors je pense vraiment que les jeunes, même moi, on m'a vraiment poussé
on m'a fait découvrir en fait le club et sans ça j'aurais jamais été engagé, je me serais jamais dit ah tiens je peux faire ça. Et parce que vraiment ça demande de l'organisation et ça demande un petit peu de courage, enfin de se lancer, c'est pas n'importe quoi. Ça, tout ça c'est vraiment une ressource incroyable pour le futur. Et que ça soit d'une part dans le dossier personnel, hein, parce qu'on a découvert le monde, donc dans tout ce qu'on va vouloir faire, dans tout ce qu'on va vouloir candidater, avoir fait 3 voyages à l'international, des services en plus à l'international, ça aide. Et puis après ça ouvre les yeux, donc pour moi c'est une ressource, c'est une de mes plus grosses ressources que j'ai acquis depuis là, que je suis au centre. Ça donne envie. Et non, c'est le fait de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux pays, et c'est incroyable. Et du coup, non, ça me donne vraiment envie de continuer sur cette lancée.